Hello, hello, bienvenue à toutes et à tous sur ma chaîne Le Tarot de Mina. J'espère que tout le monde va bien. Cher Balance, on va faire tes énergies. C'est pour toi, cher Balance, en signe solaire, ascendant, lunaire. Si tu viens pour une Balance, n'oublie pas que les rôles peuvent être inversés. C'est un tirage général, tu prends ce qui résonne en toi, tu mets le reste de côté. Ceci étant dit, merci énormément à toutes celles et tous ceux qui me soutiennent et qui participent à la construction et l'évolution de cette chaîne. Merci encore pour ton soutien. Ça compte beaucoup pour moi. Allez, quelques messages généraux pour mes balances. Certaines balances se sont détachées de quelqu'un. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a besoin d'harmonie ici, on a besoin de calme pour certains, on a besoin de retrouver une forme de paix intérieure. On peut faire de la thérapie par la musique, on a envie de se recentrer sur soi ici. Parce qu'on veut une forme de réussite, on veut que le cycle change ici pour certains. Il y a le cycle qui doit... Ton cycle, tu veux que ton cycle change, tu veux avoir plus de réussite, tu penses à ta réussite personnelle et à ton bien-être. Donc on peut parler de ça déjà. Quoi d'autre, s'il te plaît? Non, c'est pas, c'était pas retourné. Allez, s'il te plaît. Pour mes balances. Ok. Quoi d'autre là-dessus? Qu'est-ce que je veux? Ok. Attends. Oh. Alors. Pour certains. Bon. Pour certains, on a une petite... On me parle d'une personne éventuellement féminine que tu retrouves. Alors, ça peut être... Alors, je ne sais pas si c'est amoureux, pardon, sentimental, pardon, je voulais dire, ou autre, hein, mais c'est une personne, éventuellement une énergie féminine, mais bien entendu, on est sur un tirage général, que tu revois, tu tombes dessus par hasard. C'est une personne avec une notion de temps, on parle d'échange à venir avec cette personne. Mais j'ai une notion de tentation avec... associé à cette personne. Donc, je ne sais pas quelle est la nature de ta relation, mais quand je vois surprise, moi j'ai vraiment l'impression que c'est une personne que tu ne t'attends pas, mais en même temps, si ça te surprend, enfin, quelque chose un peu destin karmique, enfin, c'est pas destin, c'est vraiment quelqu'un que j'ai une notion de surprise. Et moi, une notion de surprise, c'est quelqu'un que tu connais déjà, par d'une rencontre surprise, donc une personne que tu n'as pas vue depuis un moment, on part d'une connexion entre guillemets protégée. Ceci dit, il y a quand même la notion de tentation associée à cette rencontre, à cette énergie féminine. Si je suis un homme, bien entendu, hein, on parle de sentirage général, donc tu peux prendre, vous voyez. Tu vas la rencontrer ou la voir, ou cette personne, lors de rassemblements, ou dans un endroit festif, ça peut être un resto, un bar, tu es peut-être avec des amis ou des amis IE, je ne sais pas, tout seul, peu importe, mais tu vois cette personne et en fait, c'est comme s'il y avait des choses qui n'ont pas été dites entre vous. C'est surprenant, quoi d'autre? Ouais, et puis tu vas, ça va te redonner une énergie différente. Ça va te faire changer de point de vue en fait ici. Tu changes de point de vue. En positif hein, par rapport à cette personne. Il y a une forme de soulagement, je sais pas pourquoi. Quoi d'autre, oui? Ouais. Il y a quelque chose qui va te redonner une forme de force, quoi. De confiance en toi, de pouvoir, de... Ouais, je sais pas. En tout cas, c'est une personne, je ne sais pas quelle est la nature de la relation, mais il y a quelque chose au niveau de la tentation qui est fortement liée. Tirage relationnel. Alors, bien entendu, je t'ai mis à gauche, mais je t'ai mis ton autre à droite, mais sans toi libre d'inverser. Je vais voir d'où tu viens dans cette situation. Toi, chère Balance, on parle de deux. L'énergie générale de cette connexion. Je te rappelle que ce n'est pas forcément amoureux, ça peut être familial, amical. Excuse-moi. Voilà. Voilà. Hop. Allez. Oups. L'énergie générale de ta connexion, chère Balance. 4 d'épée. Réparation, régénération, guérison, repos personnel, non-communication, éloignement. Il y a un break peut-être possiblement entre vous deux.
Mais en d'autres decks, j'ai un as de pentacle. Quelqu'un doit peut-être revenir ici. Ou communiquer en tout cas. Quand je dis revenir, ça veut dire communiquer aussi. Le 4 d'épée, c'est ce besoin de réparation. C'est après être passé par une forme de période compliquée. Avant le 4 d'épée, j'ai le 3 d'épée. Donc il s'est passé quelque chose d'assez douloureux. Alors ça peut être une très grosse dispute, ça peut être des reproches, ça peut être ça peut être n'importe, ça peut être une séparation, ça peut être une triangulaire, il y a quelque chose ici qui a fait mal. Mentalement, on a besoin d'alléger son esprit. On a surtout aussi besoin de se régénérer. Alors il est possible que on récupère également, et peut-être en parallèle ou c'est autre chose, mais il est possible qu'on récupère d'une période de maladie. C'est aussi le cas, on peut. Donc c'est vraiment, c'est se reposer, c'est s'apaiser surtout. C'est ça que je recherchais comme mot, c'est s'apaiser. Donc, et c'est une carte très individuelle, on parle de guérison personnelle. Donc en fait, on te conseille en tout cas. Une carte où on te demande de te reposer toi. Loin du bruit, loin de certaines choses. Il faut vraiment te régénérer ici. Et puis, bien entendu, c'est prendre son temps de s'occuper de soi pour revenir, voilà, on parle de régénération, pour retrouver une forme de force et pour avancer. Pour certains, c'est vraiment, comment dire, quelque chose que tu t'es pas forcément autorisé à faire. Donc, ce repos-là, ce break, cette séparation momentanée éventuellement, cette non-communication, c'est pas quelque chose qui est dans tes habitudes, possiblement. Mais là, on est poussé à faire ça, ici. Donc, pas de communication, éventuellement, entre vous deux. Un éloignement, une séparation physique, ou une non-communication. Tes énergies, ici. 5 de deniers. C'est une carte de pauvreté. Alors, le 5 de lignée, c'est vraiment une pauvreté à tous les... Oui, tu vois. Bon. Il y a cette connexion qui compte. Elle compte, cette connexion. Il y a quand même... Il y a eu l'ouverture de l'espace émotionnel ici. Elle peut vraiment sortir, celle-là. Mais je ne peux pas en mettre 3, j'en veux que une. Je vais en mettre une deuxième. Deux autres en face. Je vais essayer de faire 2. Ici, 10 d'épée. Il y a vraiment une séparation entre deux personnes, possiblement. Ou une non-communication. Certains mots ont été plus hauts que l'autre. Plus haut que... Il y a vraiment une notion de défaite, ici. Il y a vraiment une notion de poignard dans le dos, peut-être. De ne pas... Ouais, tu vois, regarde, j'ai le 2 comme ça, qui est tombé comme ça. Ok. Le lien, s'il te plaît, pour mes balances. Attends. Je vais d'abord parler de ça. Alors, 5 de denier. L'impression de... Alors ici, j'ai peut-être voilà, une promesse, hein, une vraie promesse d'amour ici, puisque j'ai un 2 de coupe à l'envers, hein, j'ai un as de coupe à l'endroit. Donc il y a une envie quand même de... Ici, quoi qu'il arrive, que ce soit avec cette personne, ou je parle d'un point de vue général. Ici, toi tu veux cet as de coupe. Tu veux cette stabilité émotionnelle, tu veux ce grand moment comme ça où tu te sens vraiment aimé et que tu aimes quelqu'un en retour sans condition. Tu veux aussi une situation où on t'aime toi comme tu es, tel que tu es. Dans le sens, ne pas avoir besoin de faire des efforts pour ressembler à quelqu'un ou se rapprocher de quelqu'un ou être comme quelqu'un. C'est vraiment cette énergie vraiment d'amour inconditionnel ici. En face, on a l'impression peut-être que justement, on s'est éloigné de cette promesse. Ici, on a peut-être l'impression que l'amour n'est pas réciproque. T'as un sentiment de pauvreté ici, à tous les étages. Ça peut être pauvreté émotionnelle, pauvreté matérielle, il y a de la pauvreté. C'est une carte de pauvreté et de misère. Donc c'est l'impression que la situation stagnait, n'avançait pas, on ne décolle pas, peut-être même lié à des difficultés financières, il n'y a pas d'évolution forcément sur le long terme, on est sur des ascenseurs émotionnels ici, on n'est pas forcément sur quelque chose de stable. Et en face, il y a l'impression d'avoir été poignardé en dos. Je vais tirer une carte parce que ça peut être ça, le 10 d'épée. Mais c'est quand même cette notion où on est face contre terre, où on ne peut plus bouger, où on se sent incapable de répliquer, incapable de donner plus, en fait, peut-être, ici. C'est peut-être un amour non réciproque qu'on ressent ici. On se dit qu'après tout ce temps-là, c'est peut-être au final un amour non réciproque où ça ne peut pas aller bien plus loin. Pourquoi ce 10 d'épée?
en face, chez ton autre. La tour. On a évité certaines choses, hein, je pense, pendant longtemps. La tour, de toute façon, détruit ce qui n'est pas stable. Donc, de base, si on passe, on est passé à un 10 d'épée. Donc, on a fait un, entre guillemets, un saut. C'est peut-être quelque chose que tu as, qui a été évité longtemps. Confronté à ses vrais, à ses vraies valeurs, confronté aux vrais problèmes. Je pense que c'est quelque chose qui a été évité. Mais malheureusement, ça n'a pas pu, ça ne peut plus être évité ici. Il y a quelque chose qui s'écroule ici. Un idéal. Il y a quelque chose. Peut-être un peu dur, je suis désolée. Mais... il y a peut-être une grosse dispute aussi. Peut-être une personne a quitté hein, le lieu, le logement, le, je ne sais pas. Peut-être une forme de séparation, oui. Ah oui, parce que la reine de Pentacle, face à la tour, il y a son univers, son abondance, en fait, qui tombe. Ce sentiment de sécurité et de confort. Donc, il y a quelque chose qui fait que c'est plus, on n'est plus en sécurité dans ce lien. On ne se sent pas en sécurité émotionnelle ou autre, mais on ne se sent pas en sécurité. Peut-être une dispute, une séparation, voilà. Le lien, ici. Il y a toi, hein. Ah ouais, t'as coupé. C'est toi, je pense que c'est toi, Balance. T'es pile dans ton tirage. Peut-être que tu veux, tu attends que tu veux mieux, tu veux plus ici. Alors, je ne sais pas si c'est dans la même situation ou autre, mais on veut plus. Ce n'est pas suffisant ce qu'on a. Justice, c'est ton énergie avec le roi d'épée. T'as coupé, tu t'es détaché émotionnellement ici, mais c'est surtout fait par logique. C'est avoir des éléments factuels et prendre, c'est 1 plus 1 égale 2. C'est vraiment faire une analyse, c'est quelqu'un de très intelligent, c'est quelqu'un de très vif, c'est quelqu'un qui, voilà, qui passe pas par quatre chemins, qui met pas l'émotionnel dedans, qui voit les faits. Et quand on voit les faits, si on se détache, j'ai décidé de me détacher émotionnellement parce qu'en fait, au niveau des faits, on était sur un 5 de denier, ce qui a causé un 10 d'épée en face. Mais il y a besoin de se réparer soi. Et là, je reviens à ce que je t'ai dit tout à l'heure, c'est une énergie très individuelle. Individuelle. Ici, t'as ta carte, hein, justice. C'est 1 et 1, c'est un chiffre divin. Mais là, j'ai presque envie de dire, c'est pas 1 et 1, c'est 1 et 1 juste pour toi. C'est-à-dire, là, tu cherches à savoir ce qui est... c'est une situation qui est déséquilibrée. Donc là, tu cherches à rééquilibrer les choses ici. Mais pour toi. Là, c'est quand on se pose la question de savoir si on est né sur le bon chemin. C'est chercher, chercher sa propre vérité, son propre chemin. Pas par rapport à un autre ou une autre personne, par rapport à soi. Ce qui est juste pour soi, ce qui est correct et bon pour soi. On va où ? On va où ? Il y a quelqu'un qui veut éventuellement revenir vers toi. Hein. Cette personne va éventuellement revenir vers toi. Elle va éventuellement revenir vers toi. Elle m'a dit de tirer une carte. Ouais. Elle a, ouais. Cette personne a envie de revenir vers toi. Allez. On va vers quoi là ? Est-ce qu'il y aura au niveau des énergies actuelles, bien entendu, des énergies changeant tout le temps. Là, par rapport à... on va vers quoi ? Je veux juste... on dit non, pas celui-là. Il y a une forme de confusion. Je pense que cette personne va ouvrir, enfin, va ouvrir son espace émotionnel, va ouvrir son cœur. Va... il y a quelqu'un du signe du poisson éventuellement ici, ou qui a du poisson, peut-être taureau, vierge, capricorne ici. Alors, pour les signes, hein, j'ai la justice, donc toi, hein, le balance. En arcane majeur, j'ai le scorpion. Après, j'ai du taureau, vierge, capricorne ici, mais j'ai du gémeaux, verso, balance. Et là, j'ai du poisson, scorpion, cancer. J'ai tous les signes. Mm. Il y a quelqu'un qui vient vers toi, hein. Mais ça te met dans une forme de confusion, donc tu as peut-être besoin d'un peu de recul ici. Tu as peut-être besoin d'un peu plus de temps, on peut dire, on le dit. Un peu plus de recherche de soi, de recherche de soi-même dans cette situation, savoir vraiment où on va, encore une fois. Et j'ai une personne qui hésite quand même. Hein. Donc là, j'ai une personne qui hésite, possiblement qu'il a d'autres options, ou qui cherche à comprendre, ou ne serait-ce que qui s'ouvre à d'autres options. Parce qu'on a tous des options au final. C'est juste que voilà, on les ouvre ou pas. Et là, j'ai l'impression que cette personne
envisage d'ouvrir ses options. Enfin, toi, pardon, envisage d'ouvrir tes options. Et, mais j'ai une personne qui revient vers... J'ai une personne qui cherche à revenir, qui cherche à rentrer en contact, qui cherche en tout cas à te montrer qu'il y a des sentiments en tout cas pour toi. Elle te le dira, cette personne. Alors, abondance. C'est ça, c'est l'abondance que tu cherches à créer. C'est ce que je t'ai dit tout à l'heure, le chemin qui est bon pour toi. Pas le chemin qui... par rapport à une autre personne. Toi, tu cherches à créer une forme d'abondance. T'as des buts ici. T'as des vrais buts. Et tu cherches à les atteindre. Allez, une dernière carte, s'il te plaît. On m'a dit non. Qu'est-ce que j'en doutais ? Regret. Je sais que je ne peux changer le passé. Il y a peut-être des regrets attachés à cette situation. Peut-être qu'on aurait voulu faire les choses différemment. Mais dans tous les cas, là, sur cette base-là, elle n'était pas assez solide. Donc, l'abondance va venir. Chimie, vous ressentez une forte attraction magnétique. Donc, il y a une attraction, certes, entre deux personnes, je t'ai dit. Facteur religieux, votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion ou de votre spirituel. Je t'ai dit tout à l'heure qu'on n'avait peut-être pas les mêmes goals, les mêmes buts, les mêmes façons de faire, les mêmes, voilà, les mêmes façons. Il y a quelque chose qui ne va pas, qui ne coïncide pas entre deux personnes. Qui fait qu'il y a, il y a une situation qui, pour le moment, est probablement en break ou en séparation ici. Il n'y a pas de communication. J'ai aucune coupe, en fait, mis à part ce 2 de coupe à l'envers. J'ai un 7 de coupe. Après, j'ai le roi de coupe. Ça me montre qu'il y a des émotions ici. Cette personne a des émotions pour toi. Mais j'ai pas d'action, j'ai pas de... J'ai pas. Oh, c'est pas vrai. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Donc, ne pas rester dans ces regrets hein, et dans ces choses du passé. Pour le moment, on te dit qu'il faut rester optimiste pour ta vie amoureuse. Donc oui, il y aura des opportunités, il y aura... Voilà, reste optimiste. Ne... Profite justement de ce... C'est ce qui va te permettre de te régénérer là. C'est ce qui va te... Ta régénération va te permettre de rester optimiste pour ta vie amoureuse. Ça va te permettre de garder confiance en toi. Donc là, il y a un travail de réparation qui est très intense ici. Mais vraiment très important. Parce que toi, ce que tu veux, c'est l'abondance. On parle d'abondance. Je suis un être illimité et je peux créer tout ce que je désire dans cette réalité physique. Tu avais effectivement peut-être... Comme je t'ai dit au début, il y avait peut-être des promesses qui n'ont pas été à la hauteur de ce qu'on avait mis au départ. Mais là, on est en train de te dire que ce n'est pas à cause de ça que tu n'es pas capable de créer ta propre abondance. Et je pense que tu t'en rends compte actuellement puisque tu es dans, la, dans ton élément, la justice, le chemin qui te va et qui est juste pour toi. On va faire un petit tirage au niveau pro. Mais cette personne va revenir vers toi. Peut-être énergie de la Vierge. Elle va chercher des réponses, cette personne. Elle va essayer de comprendre sa douleur émotionnelle, de comprendre... Ouais, elle va venir. Elle planifie de venir vers toi, cette personne. Elle planifie de venir vers toi. J'ai énergie de la Vierge. Elle prend du recul. Elle cherche à comprendre avec sa petite lanterne. J'aime bien cette image. Allez. Niveau pro, toi, chère Balance. Où tu vas? D'où tu viens? D'où tu viens, chère Balance? Au niveau pro, d'où tu viens? Allez. Au niveau pro, d'où tu viens? T'as peut-être l'impression qu'il n'y a rien qui s'ouvre pour toi, en fait. L'impression que voilà, les portes ne s'ouvrent pas, il y a peut-être un fort sentiment de solitude, tu as peut-être eu du mal à garder la foi dans certaines situations, te dire, ça t'a demandé beaucoup de persévérance, beaucoup de travail sur toi, beaucoup de... Voilà, beaucoup de ça t'a demandé, alors peut-être que qu'il faudrait peut-être un peu plus s'ouvrir, un peu plus garder la foi en soi, un peu plus persévérer, mais dans tous les cas, on parle vraiment de se faire confiance à soi-même. Il y a une notion comme ça de lourdeur. D'avoir l'impression toujours d'être challengé par la situation professionnelle. Peut-être de ne pas trouver ta voie ou d'être dans des ambiances qui ne sont pas vraiment pas terribles. Mais il y a quelque chose comme ça où tu as l'impression aussi de ne pas avoir cette chance-là, de ne pas avoir l'opportunité qu'il faut, de ne pas être assez épanoui dans ton travail. Il y a quelque chose qui te challenge ici. Tu vas où? 4 de bâton. 4 de coupe. Non, j'en ai trop. Le 4 de bâton, c'est alors c'est quand même une harmonie, une stabilisation ici, une stabilité, pardon. Donc là, on cherche... Alors,
Il y a peut-être, alors, j'ai quand même des cartes, j'ai des multiples de. J'ai 4, 4 et 8. Alors, il y a quelque chose qui va avancer. En d'autres decks, j'ai la mort. Donc, une véritable renaissance ou une renouveau. Il y a quelque chose qui va avancer beaucoup plus vite. Alors, j'ai aussi un autre message, peut-être que ça correspond aussi l'impression que tu vois de ne pas avoir les opportunités qui s'ouvrent, de ne pas avoir voilà, ce sentiment de solitude, voilà, de devoir faire preuve de courage à chaque fois. Enfin, je ne sais pas, c'est peut-être des notions qui te parlent. Mais là, concrètement, j'ai quand même une notion de voilà, il y a quelque chose qui va venir vers toi. Donc on t'invite à oser aller vers cette situation, à oser t'exprimer, à ne pas te retenir au niveau de l'expression, à vraiment à t'ouvrir, à t'ouvrir et à ne pas paraître trop renfermé, à être ouvert dans le sens, ça montre une forme d'abondance. On s'ouvre, on est ouvert, on ouvre ses, voilà, on est énergétiquement comme une éponge, c'est-à-dire dans le sens où on va renvoyer aussi quelque chose de positif, on peut absorber les, enfin, on peut tout comprendre, tout. Il y a quelque chose au niveau de l'attitude, peut-être, pour certains. Sinon, c'est vraiment quelque chose de. T'es peut-être un petit peu trop dans une zone de confort. Ouais. T'as peut-être aussi, si on le tourne légèrement différemment, t'as peut-être du mal à changer. T'as peut-être peur du changement aussi. Tu te méfies du changement. Et t'es dans une forme de vie un peu sans piment au niveau professionnel, un peu. Voilà, un petit peu. Tu réfléchis peut-être un peu trop avant d'agir, s'il y a peut-être une routine qui te, un confort qui te rassure, mais on te parle de sortir des sentiers battus ici. Bizarrement, j'ai l'impression qu'il faut que la balance arrête d'hésiter. Il faut que la balance doit penser à elle, la balance ici. Ça revient un petit peu au message hein, de ce que je t'ai dit tout à l'heure. Mais par contre, il y a une transformation. Il y a une vraie transformation pour toi. Donc j'ai la mort en d'autres decks. On parle de renaissance, de libération. Donc il y a des nouvelles ici. Il y a quelque chose qui arrive vers toi. On peut éventuellement te demander de te déplacer. C'est quelque chose, voilà. Et on va vers une forme, alors un confort, mais différent. On va vers quelque chose de beaucoup plus abondant. On passe d'un 4 de coupe à un 9 de coupe. Et derrière, il y a un 8 de coupe. Donc, encore une fois, il faudra quitter quelque chose ou se remettre en question sur un savoir-être, en fait. Sur une attitude, peut-être. Donc, je pense qu'il y a un peu de ça. Je pense qu'il y a un petit peu d'énergie un petit peu bloquée, comme ça on te demande de t'ouvrir pour accéder à cette abondance. Il y a quelque chose qui vient vers toi. Hein. Ouais. Tu vas devoir te dépasser. Ouais, tu vas quitter une situation. Regarde, roue de fortune derrière. Tu vas quitter une situation. Et j'ai encore la balance. Donc j'ai le 8 de coupe, le 6 d'épée, le 10 d'épée et la justice. Donc tu vas vraiment à tous les niveaux vers ce qui est juste pour toi, ce qui est correct pour toi. Voilà tes messages, chère balance. J'espère que cette lecture t'a parlé, qu'elle t'a aidé. Merci de liker et partager, sans oublier de t'abonner. Au revoir.